à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le magazine Uvengo pour vous présenter un Neo Café Racer, donc de la marque japonaise Yamaha. On a testé la semaine dernière la XSR 700 qui est compatible à deux. Celle-ci, c'est la grande sœur puisque c'est la version 900. Pour son histoire, elle est remplaçante de la XS 750 et 800 des années 70. En termes de concurrentes, il y en a quand même pas mal, puisque Kawasaki propose la Z900 RS, on a la 1200R 90 de BMW, la 1200 Speed Twin ou encore la 1100 Scrambler de chez Ducati. Ne tardons plus, allons l'essayer. Sur cette MT-09, on part sur un 3 cylindres en ligne, 4 temps, distribution par double rabraquement en tête et refroidissement à eau. Au niveau de sa cylindrée, on part sur une 847 cm3 d'un alésage et d'une course de 78 x 59,1 mm. Sa puissance maximale, elle, est annoncée à 115 chevaux, soit 84,56 kWh à 10 000 tours minute. Le constructeur annonce une vitesse maximale d'environ 210-220 km/h. Le couple maximum est de 8,90 m3 à 8500 tours minute. On a une architecture moteur spécifique à Yamaha, puisqu'on le retrouvera sur ce modèle, le Crossplane numéro 3. Il s'agit d'avoir 4 mentons décalés de 90 degrés, ce qui donne à cette XSR 900 une très belle reprise dès les plus bas régimes. Au niveau de sa transmission, on sera sur une boîte à 6 rapports et une transmission secondaire à chaîne. On a un nouvel embrayage assisté afin de gagner 20% de souplesse à la conduite. Pour ce qui est du châssis, on aura un bras aussi en aluminium et un cadre de type diamant. Le train avant est composé d'une fourche inversée de 41 mm, d'un débattement de 137 mm et réglable en compression et en détente. Le frein avant est composé d'un double disque flottant de 298 mm de diamètre et treillis radio Nissin monobloc 4 pistons ABS de série. La dimension du pneu à l'avant se fait en 120-70-17. À l'arrière, on a un monomarcheur d'un débattement de 130 mm réglable en pré-contrainte. On a un monodisque de 245 mm et treillis Nissin 1 piston et ABS de série. La dimension du pneu à l'arrière se fait en 180-55-17. Pour cet écran, donc on a le compteur de vitesse numérique, le contour, l'indicateur de vitesse engagée, la jauge de carburant, l'indicateur de périodicité d'entretien ou encore la température ambiante et l'horloge. On a quelques assistances électroniques puisqu'on a plusieurs modes, comme on peut le voir sur le tableau de bord. Donc on a le mode A, qui est le mode sport, le mode B, le mode pluie, et on a le mode standard, ainsi que le traction control qui évite le patinage de la roue arrière dans la reprise de l'accélération. Tout comme sur la MT-09, donc on aura le traction en position 2 et en position 1. Et bien évidemment l'ABS. Sur cette édition Abarth, très bien finie avec un green hardo, on embarque avec nous 14 litres pour une consommation allant de 4,5 à 7,8 par 100 km, ce qui nous donne une autonomie maximale de 180 km. Au niveau de la hauteur de selle, elle est très basse puisqu'on est sur du 815 mm, donc elle est accessible à la majorité des personnes de moyenne taille et de petite taille. C'est d'ailleurs ce qui fait son point fort chez les Neo Retro. Au niveau de son empattement total, on est sur du 1,440 mètres, une garde au sol de 135 mm, un angle de chasse de 25 degrés et un poids total tout plein fait de 195 kg. Ce sera tout pour cette vidéo, donc nous terminons par la conclusion avec les points positifs et les points négatifs. Au niveau des points négatifs, alors franchement il n'y en a pas beaucoup, on retiendra particulièrement la bulle alors, qui est fournie avec la moto. On l'a pas aujourd'hui, mais c'est vrai qu'elle est pas suffisamment haute, elle est très esthétique, mais forcément elle protège
pas trop, on va dire, du vent. Donc c'est vrai que sur la voie d'état marin, ça risque d'être assez compliqué. On est assez exposé en tant que motard. Ce sera d'ailleurs le seul point négatif, puisque elle a plein de points positifs, notamment au niveau de sa position de conduite. Donc on aura d'ailleurs une selle ici sur piqué qui est très jolie, très confortable, très moelleuse, et elle est en plus de sa basse, donc vraiment très accessible aux personnes de petite taille et de moyenne taille. Sur la version normale, normalement on a des demi-guidons. Ici le propriétaire a mis un guidon qui est plus large en version roadster, ce qui lui donne d'ailleurs une très bonne maniabilité. La moto est très compacte, très légère, donc très facile à emmener, elle est intuitive, facile à prendre en main. Moteur, exactement le même moteur que la MT-09, sincèrement en termes de couple, c'est extraordinaire. On a de la longe aussi, puisque c'est un 3 cylindres, donc vraiment il n'y a rien à dire par rapport à ça. Au niveau de ses freins, frein d'origine, vraiment excellent Nissin. C'est un frein qui limite fait un peu peur parfois. On a vraiment une très bonne sensibilité au niveau du levier, et surtout il faut faire un petit peu attention à ne pas trop appuyer trop fort, parce qu'on sent que ça nous jette un peu vers l'avant. Au niveau de la fourche, franchement très 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 surprise, étant donné que souvent la MT-09 voilà, a un petit peu les défauts spécifiques, et celle-ci pas du tout, elle est très précise, elle a vraiment une trajectoire qui est incisive, et on a des possibilités de réglage également sur la compression ici et la détente. Donc les réglages n'ont pas encore été touchés, ce sont des réglages constructeurs, et pourtant même le frein ne met pas en défaut la fourche, donc c'est vraiment très agréable, notamment sur les virages en dévers. Pour ce qui est de sa finition aussi, donc c'est une édition limitée à Barthe. Donc comme vous le voyez, on a un joli grinardo, on a aussi pas mal de pièces carbone, donc que ce soit à l'avant, on a aussi une bulle normalement, et le capot de selle à l'arrière. Bien évidemment, cette moto aussi est fournie avec une ligne complète à Krapovic. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que cet essai vous aura plu. Donc n'hésitez pas à retrouver cette belle XSR 900 Yamaha chez Bourbon Bike au prix d'environ 19 000 euros. Nous remercions d'ailleurs le propriétaire qui est ici présent pour sa confiance et pour le prêt de sa moto. Donc toi aujourd'hui, tu as choisi la XSR 900. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours et surtout pourquoi tu as choisi cette moto par rapport à une autre? Ben, moi j'ai choisi cette moto pour, je sais pas, parce qu'elle est... La salle au présent, c'est voilà. Ben, parce que peut-être elle est unique aussi à La Réunion, peut-être. Et j'aime bien le feeling de la moto. Et du coup, qu'est-ce que t'aimes bien chez Yamaha? C'est sa fiabilité, moteur et tout? Qu'est-ce qui te plaît? Beaucoup de coupe et bonne tenue de route aussi. C'est vrai que c'est ce qu'on avait remarqué justement par rapport au châssis de la MT-09 normale. Finalement, elle est beaucoup plus précise, beaucoup plus compacte. Donc on n'a pas cet effet de louvoiement sur la trajectoire ou ce genre de choses. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver le magazine Uvengo sur les différents réseaux sociaux concernant l'actualité moto et auto. Donc on aura Facebook, Instagram et YouTube. Un dernier mot? Ben, je te remercie pour la présentation de la moto. Très sympa. Merci à toi, à bientôt sur Uvengo.